spectateurs, 5 de pique célèbre la peintre Yolande Labaquet, dont l'œuvre a bousculé les notions de réalité. Pour aboutir à cette déconstruction restructurée, elle fait dialoguer le passé et le présent au moyen d'outils technologiques qu'elle maîtrise habilement. Née en 1927 à Beyrouth, Yolande Labaquet étudie la littérature et l'histoire de l'art à Paris. Autodidacte et d'une insatiable curiosité, elle aura cependant pour mentor Florent Kromlik. Elle se formera à la sérigraphie à la School of Visual Arts à New York. Ce cadre prestigieux sera pour elle l'occasion de se familiariser au logiciel Photoshop dont elle tire le meilleur dans ses réalisations. Tantôt hallucinatoire, tantôt en rupture avec la projection de l'espace, la production de l'artiste est haute en couleur. Ces guerriers phéniciens défraient la chronique. Ils sont recherchés par de nombreux collectionneurs. La première exposition individuelle de la peintre se tient au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 1974. Elle expose également à l'Institut ukrainien de New York en 1989, ainsi que de nombreuses fois en Allemagne. Depuis, Yolande Labaquet parcourt tous les continents. Elle présente régulièrement ses créations au Liban et en Europe. Elle participe à l'accrochage collectif Liban, le regard des peintres, deux ensembles de peintures libanaises à l'Institut du monde arabe à Paris en 1991. Certains tableaux de Yolande Labaquet sont mis en vente sur le site de la galerie en ligne Saatchi Art. La galerie Aïda Sherfin la représente au Liban. De Pique vous présente Cabaret. L'œuvre en mix média a été exécutée par Yolande Labaquet en 2018. Elle appartient à la collection du docteur Gemma Hayek. Une fois n'est pas coutume, les voyages, les découvertes et les expérimentations de l'artiste dictent son processus de création. Cette œuvre est née de l'exploitation, par Yolande Labaquet, d'une caisse qu'elle trouve dans son grenier. La boîte contient une série de diapositives décolorées, usées, défraîchie, démodée, cette base de travail inspire pourtant la créatrice qui la remet au goût du jour. Par cette évocation artistique, la peintre combine plusieurs techniques sur un même support. La pluralité des éléments assemblés sur la toile interroge la mémoire. Elle nous ouvre les portes d'une époque perdue. La scène se déroule dans un bar de la Belle Époque avec tous les codes de la tradition art déco, du décor de bistrot aux tenues stylisées des personnages. Jouant avec les matières et les reliefs, la palette chromatique se mélange aux formes semi-abstraites. Elle se mêle aux motifs du premier plan qui accompagnent les deux couples qui dansent. En dépit du mouvement évoqué par leur danse, le temps semble figé. Les personnages à l'arrière-plan se livrent à des confidences facilitées par les effluves alcoolisées. Le thème intemporel est ici sublimé par une approche qui n'est pas nouvelle. En effet, le mix média ne date pas du XXIe siècle. Léonard de Vinci, avec ses pastels mélangés à d'autres médias dans ses dessins, combinait déjà les matériaux pour approfondir ses sujets. L'esthétique individuelle, originale de Yolande Labaquet, aborde ainsi maintes pratiques artistiques. Elle offre parfois une action artistique du registre de la performance comme une expérience globale dans sa création. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban, consacrée à l'art, référence poétique de notre réalité.